Depuis combien de temps avez-vous un vini? Ça s'appelle un Le vini? vigny, mon premier vigny m'a été acheté par mon dernier patron. Qu'ils n'arrivaient pas à me joindre, j'étais toujours en déplacement. Je faisais les tours en 4x4 dans l'intérieur de l'île, donc j'étais tout le temps parti. Et puis il y a toujours des gens qui essayent de me joindre. Quand il est parti en Nouvelle-Zélande en vacances, il m'a ramené un vigny. Il m'a dit, j'ai un cadeau de Noël pour toi. Et ça a été mon premier cadeau jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être mon douzième vigny, parce que la plupart sont partis à l'eau. Quand je fais les excursions avec ma pirogue, certains veulent plonger avec moi. Donc, des fois, c'est assez difficile de les tenir. Alors, ça coûte cher ici? Ça coûte cher. La vie est toujours très chère Oui. ici. Donc, celui-là, je l'ai payé juste 150 dollars. Parce que c'est le minimum. Des fois, ça monte jusqu'à. Certains sont à 350 dollars. C'est-à-dire l'appareil ou le frais qu'on paye par mois? L'appareil même, d'accord. Les frais, il vaut mieux les limiter. Là, je l'utilise que juste pour le travail.